Alors, Kevin, c'est quoi le baptême? Eh ben alors, le baptême, c'est quand il y a quelqu'un, il va dans la petite piscine comme ça, il saute dedans, après il sort, il est tout mouillé, et puis on lui met un peignoir comme ça, après il va se changer, mais ça dure pendant longtemps, hein. Et puis du coup on chante un chant, deux chants, trois chants, puis après il revient, il est tout sec, il y a tout le monde qui fait voilà, c'est le baptême. Alors, toi qui me regardes, est-ce que tu sais ce que c'est le baptême? Et vous qui êtes plus grand, est-ce que vous savez expliquer à vos collègues de boulot, à vos voisins, la signification du baptême? Ça tombe bien, c'est la question du jour, à se poser en famille, tout seul ou entre amis par téléphone. Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce qu'il y a derrière le baptême? À vous d'y réfléchir, on met sur pause. Ça y est? Vous avez pu en discuter, peut-être même avec des passages bibliques à la clé. C'est le temps de lire la réponse ensemble. Pour ce faire, cliquez sur le lien dans la description. Il va vous emmener sur un site internet avec une réponse courte ainsi qu'un texte biblique de référence. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le petit onglet où il y a un livre pour lire les commentaires sur le texte biblique ainsi que la prière finale. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine question.